Bonjour, monsieur le préfet du Finistère. Bonjour, mesdames et messieurs les préfets des autres départements de France. Mesdames et messieurs les gendarmes de la gendarmerie de Brest, bonjour à vous et bonjour aux gendarmes et policiers de France et de Navarre. Hier matin, j'ai reçu la visite de deux gendarmes en civil à mon domicile afin de m'enjoindre, de me rendre à la gendarmerie de Brest mardi 26 janvier à 9 h du matin pour y être entendu librement, sans garde à vue, dans le cadre d'une infraction qualifiée d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, que me reproche-t-on exactement? Eh bien, monsieur le préfet du Finistère, vous n'avez semble-t-il pas apprécié mes propos, somme toute très courts, trois mots, et noyés au beau milieu de ma vidéo de plusieurs minutes, du 10 novembre 2020. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à regarder cette vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Il s'agit de gendarmes militaires, un des vôtres vous parle. Alors, je m'y exprime afin d'encourager nos amis gendarmes, les policiers et les militaires, des rangs desquels je suis issu moi-même, à prendre conscience de la folie de la politique de répression qu'ils consentent à appliquer par peur de la sanction, sûrement aussi. Alors, je ne me faisais que le porte-voix de millions de Français, dont ils font eux aussi partie, et afin de crier notre ras-le-bol, notre ras-le-bol, un ras-le-bol de cette situation qui, en novembre dernier, n'avait déjà que trop duré. Malheureusement, cette situation a conduit des hôpitaux psychiatriques à se remplir. On a vu une vague de suicides, de dépressions sans précédent. Nous avons vu également des gens devant être opérés, recevoir un traitement, se voir reporter leurs rendez-vous et leurs opérations, et récupérés plusieurs mois plus tard par leurs médecins, constatant inéluctablement que leur état de santé s'était considérablement dégradé. Tout cela tandis que on nous annonçait des hôpitaux pleins, débordés par le Covid, or il n'en était rien. Plusieurs vidéos l'attestent, les hôpitaux étaient vides. Et cela dans de nombreux pays. Et la France n'a pas échappé à ce cas de figure. Tout cela au plus fort de la crise, alors qu'on nous tentait on tentait de nous faire croire le contraire. Bref, un génocide qui ne dit pas son nom. Monsieur le préfet du Finistère, jusqu'à preuve du contraire, dans cette vidéo, je ne vous insulte nullement. Je ne fais que m'adresser très brièvement à vous, au détour d'une phrase et de façon très discourtoise, c'est évident, je le reconnais. Je suis très discourtois à ce moment-là, puisque je me permets, donc au milieu de ma réflexion, de vous dire trois mots fort peu aimables, je t'emmerde. Bien, j'ai prononcé ces mots, effectivement. Ces mots qui traduisent une profonde colère, monsieur le préfet. Et ensuite, je continue sur le reste de la vidéo, mais sans plus du tout m'adresser à vous. Je suis donc à cet instant de la vidéo, effectivement très discourtois envers vous, et non pas insultant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Or, monsieur le préfet du Finistère, et là, je m'adresse à tous vos collègues de France, tous les préfets qui me regardent en ce moment, préfets, sous-préfets. Si je me suis adressé au préfet du Finistère en ces termes, c'est que vous nous aviez et vous m'aviez insulté gravement, moi, personnellement, et tous les Français, et tous les membres de la gendarmerie et de la police, sur lesquels votre autorité s'applique.
Vous m'avez insulté gravement, vous nous avez insulté gravement, oui, vous avez insulté mon intelligence et celle de tous les gens que je viens de citer, tous les Français et tous les gendarmes, tous les policiers qui dépendent de votre autorité. Et vous continuez aujourd'hui. Un exemple. Nous convaincre, par exemple, que s'asseoir sans masque dans un restaurant est bien moins dangereux que de circuler au beau milieu des tables avec un masque obligatoire. Est-ce que vous détenez, monsieur le préfet, une étude scientifique sérieuse qui prouve le fait que s'asseoir dans un restaurant avec sans masque hein, est moins dangereux que de circuler entre les tables pour éviter la diffusion d'un virus. Est-ce que vous avez une étude scientifique qui prouve que le port du masque, en tout lieu, en toutes circonstances, est tout à fait adéquate pour éviter la circulation d'un virus? Nous sommes preneurs, je suis preneur et ça m'intéresse beaucoup. Une autre insulte aussi à ma propre intelligence, donc une insulte que vous proférez depuis le début de cette crise, me convaincre que pour mon bien, je dois me signer une propre attestation de sortie pour sortir de chez moi et me rendre où bon me semble. Dans un horaire contingenté. Voilà, une propre autorisation de sortie, là encore, je pense qu'il s'agit d'une véritable insulte à mon encontre, à mon intelligence et à l'intelligence de tous les Français. Et notamment, nous empêcher de sortir en ce qui me concerne sur les plages du Finistère, puisque j'avais tourné cette vidéo sur nos très belles plages, où comme tout le monde, tout un chacun le sait, la circulation du virus était extrêmement virulente et nous voyons les morts tomber sur le sable. Je me souviens de ces images atroces, effectivement. Oui. Autre chose, là je crois qu'on poussait, on atteignait le point culminant de la bêtise, contraindre les promeneurs à tourner autour d'un lac, dans un sens. Le sens était fléché, le sens de circulation était fléché, le sens inverse était bien marqué de panneaux de sens interdit. Je l'ai vu, de mes yeux vus, et voilà, des panneaux indiquant aux gens le sens de circulation. Autant vous dire que je tournais systématiquement dans le sens inverse, aux grand dam des promeneurs et des moutons bien disciplinés, dont je n'étais alors pas, je ne suis pas aujourd'hui et je serai encore moins demain, monsieur le préfet. Vous pouvez piéger quelques crédules, je les ai vus, mais pas moi, pas nous. Ne me faites pas croire, monsieur le préfet, que vous n'avez pas compris et que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre que les mesures liberticides que vous faites appliquées par vos troupes, par les gendarmes, par les policiers, et qui ont été décidées en dépit du bon sens, justement, le fameux bon sens, pas celui qui consiste à tourner autour d'un lac, dans un sens précis, non, ce n'est pas de celui-là dont je parle. Des mesures décidées contre toute logique et occultant sciemment toute rigueur scientifique. La rigueur scientifique nécessaire à la conduite d'une politique sanitaire éclairée et qui, sans ces éléments que je viens de citer, ne peut être aujourd'hui qualifiée que de totalitaire et de criminelle. Cette politique liberticide a violé tous nos droits fondamentaux, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les préfets. Je vais vous dire quelque chose de grave. Je pense sincèrement que cette politique que vous avez appliquée, sans doute contraint de le faire,
Elle conduira inéluctablement, plus tôt que tard, à amener tous ceux qui auront participé sans réfléchir, justement, ou pire, tous les acteurs actifs, ayant eu conscience du rôle qu'ils jouaient et des crimes qu'ils perpétuaient. Cette politique conduira tous ces gens devant les tribunaux internationaux. Et les chefs d'accusation seront les plus graves. Le chef d'accusation sera le plus grave, celui de crimes contre l'humanité. Monsieur le préfet, avec toute ma considération et le respect que je vous dois, comme à tout être humain d'ailleurs, ce respect qui m'a fait défaut lors de cette fameuse vidéo, cette déclaration publique sera la même que je tiendrai lors de mon audition du 26 janvier en la gendarmerie de Brest à 9h. Et je n'ai rien à y rajouter. Elle fait suite donc à une déclaration, à une vidéo publique du 10 novembre 2020. Et il est normal que les suites de cette affaire le soient également. Donc cette déclaration, cette vidéo est également publique. Alors je vous mets en lien les sites tous les plus sérieux, éclairés et éclairants, allant de plusieurs collectifs de dizaines de milliers, je crois que c'est des centaines de milliers maintenant, de médecins cumulant, donc vous imaginez bien, des centaines de milliers, voire des millions d'années d'études à eux tous de médecine. Et ce ne sont certainement pas des frappadingues ou autres charlatans d'experts à la solde de Big Pharma traînant sur les plateaux de nos chers merdias. Je vous mets également les liens des plus grands lanceurs d'alerte, les plus illustres, les plus éclairés, les plus compétents, chacun dans leur domaine, qui ont couvert cette crise depuis le départ, et pour nous apporter une part de la vérité, sachant que la vérité n'est détenue par personne. Tout cela afin que vous puissiez vous forger une idée, vous forger une conviction, monsieur le préfet, et messieurs, dames, les préfets, et aboutissiez tous à une conclusion simple, celle de savoir qui insulte qui. Voilà, mesdames et messieurs les préfets, n'ayez aucune honte, n'ayez pas peur. Au contraire, croyez-nous, et rappelez-vous un certain Jean Moulin, qui un jour choisit l'inconfort de sa situation en mettant en résonance ses décisions avec sa conscience. Le monde entier se souvient de lui aujourd'hui. Qui se souvient des autres? Et qui se souviendra de vous? Force et honneur. Descendez des collines, camarades.
sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez.